Non, tout est bon. Voilà. Hop. Bon, vous voyez le live. Voilà. Du coup, on était où? Oui, on était à là. Donc là, j'avais tout fait, donc tout est bon, tout est ok. Tout est bien. Du coup, j'avais fait le premier, donc le truc de base qu'on devait faire. Attends, je vais baisser le son de là, voilà. Qu'on devait faire. Je vais attendre que vous reveniez. Voilà, c'est bon. Donc là, du coup, là, j'avais fait le truc de base. Voilà. Alors, un serveur RP, c'est un serveur. Hein, donc, c'est moi que je crée le serveur. C'est, voilà, ça vient de. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, hein. Franchement, vous regardez des tutos comme moi. Comme je fais, moi je connais rien. Je vous le dis, je connais rien. Je suis juste à une base. Je suis juste la base du serveur. Et puis voilà. Après, on pourrait progresser si vous voulez en mettant des véhicules et des trucs et tout là. Et tout le tralala. Du coup, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc là, oui, ok. Donc là, j'avais fait le premier. Donc là, le premier, voilà, j'avais fait le premier. Donc, comment créer un serveur 5M, j'étais à 5 RP, épisode 1 de la base. Donc là, je l'avais fait. Ok, c'est simple. Hein. Vous allez dans ce. Je vous invite d'aller dans cette vidéo parce que déjà, c'est le plus rare. Enfin, c'est plus 4 novembre. Donc, ça veut dire que c'est. Ça a pas longtemps quoi, donc du coup je baisse la musique. Vous voulez que je baisse la musique, c'est ça? Je baisse la musique. Tac tac tac. On va juste attendre un tout petit peu. Voilà. Donc du coup. Du coup. Où j'en étais? Oh putain, j'ai pas dû. Ah oui. Voilà, donc j'avais fait déjà celui-là. Et du coup, on va s'attaquer à celui-là. Ok? On va s'attaquer à celui-là. Normalement, j'ai coupé. Oui, normalement, j'ai coupé le. Voilà. C'est bien que ça semblait. Tac. Voilà. Donc là, on va aller dans les liens déjà. Donc là, c'est comment créer un serveur, hein, la base de données. Et US Admin. Donc ces deux trucs là, donc la base de données, c'est un genre de fichier. Donc ça, c'est un genre de fichier en fait qu'on crée pour justement mettre des véhicules, mettre des nouveaux personnages, mettre des nouvelles tenues et tout le tralala. Donc là du coup, on va source, c'est le mode, donc là on a tout le tralala à installer. Xamp, normalement c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire, il me semble que c'est obligatoire. Je vais juste regarder. Ah non, normalement si je mets le. Ouais. Donc là ils nous disent d'installer essentiel mode, donc on va installer essentiel mode. Donc franchement, ces moyens-là, alors je sais pas si vous avez GTA 5 sur PC, hein, mais vous inquiétez pas, il a pas de virus, hein, il a pas de virus, c'est juste un logiciel, en fait un genre de forum, voilà, qui s'appelle GitHub, voilà, c'est un logiciel en fait où 5M a créé justement pour que les gens fassent un serveur, voilà quoi, tout le monde peut faire un serveur gratuitement, hein, tout le monde peut faire un serveur gratuitement, mais par contre pour avoir des gens dessus, faut évidemment payer un hébergement, un genre de serveur, un genre d'hébergement qui coûte minimum entre 5 et 10 euros minimum. Hein. Mais par contre, voilà la qualité du réseau de l'hébergement. Voilà, c'est pas ouf. Donc je vous conseille de mettre au moins 25 euros par mois. Alors c'est cher, hein. Si vous êtes à fond dessus, si vous êtes à fond. Sinon, si vous voulez faire juste simplement, c'est de 5 à 10 euros par mois. Et après, ça, on va passer. Ça, je vais vous montrer les sites de préférence que j'utilise pour un de mes serveurs que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Que d'ailleurs, il y a des gens dessus. Si je vous montre. Voilà. Donc pour installer, donc je vous invite pour passer au deuxième du coup niveau, donc au deuxième deuxième épisode. Je vous invite d'aller dans ce comment dire
dans cette vidéo et d'aller dans les voilà et de mettre les liens. Voilà. Donc là, du coup, ils nous demandent d'installer essentiellement. Donc vous allez cliquer dessus. Hop, on arrive là. Donc là, et on arrive là. Dès qu'on arrive là, on fait code et on fait download zip. Ok, tout est simple, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est juste à installer et puis voilà. Donc on ouvre, et on a ceci, on a ceci. Donc là, du coup, on fait fermer. Voilà, on prend ça et après il nous demande de faire quoi? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Donc là du coup, ok, d'ouvrir, ok, d'aller dans les ressources. Donc du coup, on va aller ouvrir notre fichier. Donc on va aller dans disque D parce que mon serveur est dans le disque D. CFX serveur, serveur data, ressources. Après, ils nous disent de faire quoi? D'aller faire quoi? Ah oui, de créer un nouveau dossier. Donc on va créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier avec. Alors il me semble que c'est ça. Ouais. Là, il nous explique comment faire. Pourquoi on met ça d'ailleurs? Pourquoi on met le tiret? Tac. Libs. Ok. Ok. Donc hop, on va le renommer. Je vais le renommer moi. Personnalisé. On peut le renommer. Accéder, annuler, recommencer, personnaliser, actualité. Affichage, mais les gars. Pourquoi je veux. Attends, on va faire simple, plus simple. Plus simplement, voilà. Renommer, c'est mieux. Tac. Donc là, du coup. Oh! Renommé, je veux moi. Voilà. Libs. Tout en minuscule. Tac. Alt sur le 5 qui est en haut. Tac. Et on ferme. Hop. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà. Donc là, ils nous disent de faire ça. Et après. De créer un autre nouveau, donc un nouveau dossier. Pareil, ES, pas cette fois-ci. Ah non, là, on l'a fermé. Donc là, c'est ES. Et après, on ferme, comme d'habitude. Voilà. Normalement, il est tout en haut. Voilà. C'est bien ça. Après, c'est bon. Ok. Donc là, je suis vraiment le tuto, hein. C'est pas vous dire que. Merde. J'ai plein d'écran. Faut fichier plein d'écran. Attendez. Donc, ok, donc là, faut aller là-dedans. Et mettre du coup le fichier qu'on a installé. Le mettre là-dedans. Voilà. MySQL. Et après, on peut fermer, hein. Hop, voilà. Oui. Attends, attendez. Ok. Donc là, notre truc. Tac, 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 tac. Donc là, c'est le master. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Ok, donc là. Ok. C'est sûrement celui-là. On va aller dans ce lien-là. On va régler le problème avec eux, avec vous et avec les gens. Comment ça se fait? Il m'amène là. Ça, c'est le mot de base. Je suis dé. Je comprends pas. Pourquoi il m'amène là? Je suis là, moi. Tac, 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 tac. Oh, ok. Je fais download. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est le MySQL fermé. Tac. Ok, donc on va installer les deux. Donc on va ouvrir l'autre fichier de notre serveur. On va mettre là, on va prendre celui-là et on met là-dedans.
pas c'est compliqué. Après on ferme parce qu'il ne sert plus à rien. Hop, hop, voilà. Après, donc ils nous disent. Donc nous avons le ma... Donc là nous avons. Ok. Attendez, parce que en fait là, je comprends pas. Parce que là, on voit le ES Admin Master. Donc le ES. ES, ES. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. J'ai mal à... En fait, c'est pas celui-là qu'il faut installer. C'est pas... Attendez. Le master, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qu'il fallait installer, les gars. Faut... C'est pas celui-là. Voilà, il fallait installer celui-là. Le ES Admin Master. Et non, le ES. Ah non, mais attends. J'ai déjà installé le ES Admin Server. Attends. Attendez. Parce que l'ES Admin. C'est bon. Mais l'ES Admin. Attendez. Je comprends pas. Attends. ES Admin Master. Là, c'est essentiel mode Master. Je suis perdu. Donc là, celui-là, c'est bon. Celui-là, on supprime. Ok. Celui-là, on supprime. Et c'est... Attendez, mais... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc là, c'est bon. ES Admin Master, ok, d'accord. C'est celui-là. Raconte-lui. Mais on l'a déjà! On l'a déjà! On l'a déjà! ES Admin Master. Ah! D'accord, attendez, attendez. Eh oui, c'est pas long, voilà, c'est celui-là. Voilà. Voilà, donc celui-là on peut fermer. Pas de problème. Et qu'on n'a pas deux écrans, c'est compliqué. Donc là du coup, en première chose, installer celui-là et social mode. Ok. Non, même pas, c'est moi. MySQL Async. Non, même pas. Attendez. Installer d'abord les ES. Donc les ES admin et US US Planning MySQL. Ok, installez les deux déjà. Et après vous le mettez dans un fichier qui s'appelle ES, ok, ressources, vous allez dans un CFX server, serveur data, ressources, ES, et après vous, voilà, vous faites ceci. Ok, donc, voilà, tout est bon normalement, tout est bon, tout est ok. Voilà. Et installer essentiel mode et tout le tralala. Donc, essentiel mode, on l'a déjà installé. Et social mode, voilà, social mode master, donc tout est bon. Il nous demande d'acheter, ça sert à rien du tout. Tac, 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 et on veut celui-là. Hop, hop, voilà. Et on va aller dans serveur data, qui est déjà ressources, ES, et on installe le essential mode. Tac, et social mode master, voilà. Donc celui-là, on peut fermer. Après, on va aller... retour, on va aller dans libs, ce qui nous demande de faire, aller dans libs, il nous demande, attendez, on n'a pas encore installé ce truc, donc là c'est le, alors il me semble que c'est le, ça c'est le source, non, planning, donc c'est lequel, donc là il nous demande mode, ok, libs, ok, favé MySQL async master, ok, donc c'est pas XAMPP, c'est sûr, c'est peut-être ressource, non, c'est pas ça, source, hein. C'est sûr que c'est ça, hein. Essentiel mode, si. Pas ça non. Non. C'est quoi ça? Essentiel mode. Je comprends pas. C'est la première fois que je me gourre. Enfin, je me gourre pas, mais que je. Essentiellement, on l'avait pas déjà installé
Directement à l'installer. Hein. Point zip. On l'avait déjà installé, oui. Donc c'est pas essentiel mode, c'est sûr. Masquer la sing. Pas celui-là plutôt. Installe peut-être. C'est celui-là. Ok, donc vous allez. Donc vous allez donc masquer la sing, ok. Vous appuyez dessus. Après, on ouvre. On ouvre ceci, on va celui-là ici, on prend celui-là et on le met ici. Tac, 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 l'élément c'est fait. On peut fermer cette fois-ci parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et après, on ferme ceci, voilà. Et on continue. Oula, oula, il était un peu trop loin. Ok, donc là, il nous demande d'enlever le master. Donc, on renomme. Et on enlève le master avec le tiret. Et on fait OK. Et ça, il nous demande de faire dans tous les... parce que sinon, ça peut bugger. Justement, c'est la recherche du quand on ouvre le serveur, ça peut bugger. Hein. Donc du coup, on enlève le master. Bien conformé qu'on n'est pas des robots. C'est ça, c'est la loi, c'est comme ça, c'est voilà, c'est pour éviter d'avoir des pirates, des trucs comme ça qui pourraient pirater dans nos comptes et non non PC. Attendez, il nous demande aussi d'enlever un truc là. J'avais pas vu ça. Favim aussi. Oui. Avec le tiré. Masculin à 5 quoi. Juste ça. Donc, on va le refaire. Renommer. Hop. Tac, voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est mieux qu'il me semble. Voilà. Tout est bon. Tout est ok. C'est bon. Ok. Ok. Donc là, il nous demande d'aller dans le serveur. Ok, donc là. On va aller dans le 12. Ok, c'est ça. Chat, tac, 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 tac. Pourquoi j'ai pas comme lui? Pourquoi j'ai pas le anti... ah, handicap gelé, mais j'ai pas le score bas, le score bas. Je sais pas pourquoi j'ai pas ça. Je sais pas pourquoi. Ça me pose des problèmes ça aussi. Hein. De toute façon, j'ai toujours des problèmes. De toute façon, on va voir avec ça. Hein. Écoutez, on va voir avec ça. Hein. Donc là, il nous demande d'écrire quelque chose. Ok, donc il nous demande d'écrire ça. Donc 11h, pardon. MySQL. MySQL. Tiré du 6. Async. Async. Async Y. Voilà. Après, qu'est-ce que nous me demande encore faire? Ok, user, us, load mode. Ok, donc là c'est le mode qui va nous servir à comment dire à le mode qui nous sert voilà à kick les personnages s'ils font n'importe quoi si voilà. Donc tac, user. Usure essentiel ES. Tac tac tac. Essentiel, pardon. Essentiel mode. Alors, après, il nous demande d'écrire autre chose. Ou c'est bon? Encore 11 heures.
ES. Plugin. Plugin tiré du 8. Tiré du 8 MySQL. MySQL. Après encore Azure. ES admin normalement. ES admin 2, c'est ça. ES tiré du 8 admin. Admin, ça admin. Admin, ouais. De toute façon, on verra si ça fonctionne pas. Tac, 2. C'est important de mettre le 2. Hein. C'est important de mettre le 2. Donc là, on sauvegarde. Tac, 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 save. Et on peut fermer. Après, donc là, ok. Ok. Donc là, il nous demande d'installer, d'installer un programme, donc pas un, enfin un genre d'application en fait, qui s'appelle XAMPP. Ok. Le XAMPP va nous servir à choisir les métiers, enfin pas à choisir les métiers, mais genre c'est le bureau du serveur, c'est l'endroit où on gère tous les trucs, l'argent, le joueur, est-ce que quand il veut devenir policier, tu le mets policier, quand tu veux, tu... Après ça, on peut le faire dans le jeu, carrément. Hein. On peut le faire carrément dans le jeu, là, aucun problème. Ça, là, aucun souci. Donc, du coup, on va installer l'exemple. Donc, l'exemple, je pense que je l'ai déjà installé, il me semble. Exemple, oui, je l'ai déjà installé. Donc, exemple, voilà, c'est sympa d'installer, hein. Je vous le dis, truc, hein. tous les trucs, hein. Ça c'est simple à installer. Donc normalement, voilà. Donc là, ça se prononce comme ça. Donc du coup, là il fait sa présentation de l'exemple. Hein, à quoi c'est et tout le truc là. Ok. Donc on fait start et admin. On fait autoriser. Hein. Toujours autoriser. Hein. Accès par Windows et autorisé. Voilà, donc là on a tous les trucs, toutes les informations, tous les tralala. Pourquoi j'ai pas des trucs que lui il a pas, qu'il y a, je comprends pas. Donc là il a fait start, ok, tout va bien. Moi aussi j'apprends. PHP MySQL. Ouais. Donc ça, je savais ça. Il fallait faire nouvelle base de données. Une liste de faire quoi, d'écrire quoi, d'écrire essentiel mode. Ok. Ok, essentiel mode. Hein. Yes. Hop, ENT. IAL. Mode, oh, c'est comme ça. Voilà, essentiel mode est créé. Après, nominal et essentiel mode, d'accord. Après, d'aller dans le serveur, du coup, de ressources ES.
Donc plus de MySQL. Attendez. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Donc ouvrir ça. Avec bien entendu ceci. Là, il nous demande de copier tout ça. On copie. Et d'aller dans SQL et coller. Alors, coller ça n'existe pas là. Ok, donc on fait V et on fait exécuter. Tout est bon normalement. Tout est bon. Ouais, tout est bon. Si vous voyez du rouge ou quoi, c'est que c'est pas normal. Voilà, il nous explique pourquoi du comment c'est seul mode. Ouais, c'est ça. C'est seul mode, il faut que c'est. D'accord. Ok, ok, ok. Après, on fait exécuter. Donc là, c'est bon, c'est ce qu'on vient de faire en fait. Et on va là-dessus. Hop, oh putain, oui, user. Donc là, on a normalement on a l'identité, licence, money, banque, promotion level, groupe. Ah, mais c'est bien. Ça avance petit à petit, on y arrive. Petit à petit, on y arrive. Ouais. Ok, donc là, donc tout est bon, on peut hop fermer ça. Et du coup, ouais, du coup, ouais, c'est ça. Du coup, tout est bon. Normalement, vous pouvez, du coup, start le serveur et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous pouvez, du coup, donc là, je vais faire une petite pause sur le live et je vous dis si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, bah écoutez, on va retester si c'est bon ou pas. Donc là, on va comment faire une pause? Arrêt de stream. Nanana. Bon, au pire, on va tester comme ça, au pire, non? On teste ouais, ça va, c'est simple. Et tout le tralala. Normalement, attendez, parce que normalement, ouais, tout est bon, tout est ok. Parce que normalement, je vais vous faire un test, genre juste comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Serveur. Copier ça. Ok, d'accord. C'est bien, regarder les vidéos, c'est intéressant. Donc, du coup, on va ouvrir. On va voir ce qui tourne, ce qui se va pas. D'accord. Donc là, on va faire une descente de deux étages. Et on va faire CTRL V. Voilà. Serveur CG. Database essentiel mode. Mais c'est bon, essentiel mode. Tac. Password, non?
Ok, il nous dit juste de mettre un coupier en fait, juste avant. Par exemple, voilà. Il est juste là en fait. Et il faut juste voilà, copier, mais il met dessus quoi. Donc du coup, save. Hop. Je peux save. Comparer. Attendez, on va retester un truc là. Hop. On va ouvrir. Est-ce qu'il y est ça? Je sais pas. Oui, il y est, c'est bon. Tac, voilà. Tac, normalement c'est bon. Ouais. Il a déjà ouvert un database. Ok, tac. Donc, on va tester. On va voir si ça fonctionne. Alors ça, on s'en bat pas les couilles. Tac. Ok, donc là, tout est bon. Wizard, tout est bon normalement. Donc normalement vous le voyez normalement. Started ressources basic game mode. Chat. Fireman. Pourquoi on voit pas? Attendez. Si on le voit normalement, on le voit ici.